les pyro raffinés. C'est parti. On va à la raffinerie située à l'ouest. Ah. Voilà. Ah, le camp des... Oui, putain. No trespassing. Keep out. Putain, je lui ai rentré dedans, ça lui a rien fait. Ah mais ils ont fermé. D'accord. C'est quoi ça? C'est ça la raffinerie? Entrer dans la raffinerie. Bah c'est parti. The raffinery. N'ayez pas peur de vous salir les mains, les attaques au corps à corps. Ah bah j'ai pas eu le temps de lire. Dis donc. Alors, bonjour. Copine, tu es là? Ça fait un sacré bout de temps que je t'ai pas vu. Attends, on va récupérer notre petit... Qu'est-ce qu'on en a fait? Non mais... Je veux pas ça. D'accord, il veut plus me redonner mon... D'accord, on va faire ça comme ça. Ah, voilà. Quoi? On n'a pas besoin de beaucoup d'outils. Il y avait trop de sang. Il a dit que c'était pas grave. Ben, remets-lui ses dents et demande-lui. Ils sont timbrés? Bonjour, monsieur. Merde. Voilà. Le feu trouve tout. Oh putain, j'aime pas ça. Doucement. Ouais, bah écoutez, le fusil à clous, il me gonfle plus qu'autre chose, alors... Il explose jamais, lui ? Ah, ça y est. Faut pas appuyer sur A pendant que je vise. Oh mais merde. Là. Quand même. Merde. Qui c'est qui s'éclate? Tac. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est une autre entrée, bon. Utilité 0, on a compris. Alors ça par contre, qu'est-ce que c'est? Ouais non, on va pas y aller hein. On va plutôt aller là. Ceci. Il est en bas. Même pas vrai. Ils sont sur nous. J'en ai vu un deuxième, il est où? Là. Voilà. Alors, par contre, attendez, comment on fait? J'ai pas de lumière. Je vois rien. Je vais tomber. Mais ça servait à quoi d'aller ici?
sais pas, il y a un escalier quelque part. La merde. Ah non, la tyrolienne. Oui. Youhou. Voilà. Mieux qu'à Euro Disney. Non, c'est pas vrai, je suis pas là, vous me voyez pas. Oh merde. Bonjour. Aïe, 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 doucement. Voilà. Doucement, voyons. Alors. Je comprends pas tout ce que je fais. Merde. Ah, il est encore là, vivant la vieille charogne. Là. Mais putain. Bon, j'ai compris. La créature désespérée, mesure désespérée. What's up, bitches? Putain, pas mort. Ah, quand même, merci. Peut-être pas exagéré non plus. Putain, deux grenades, deux lance-roquettes. La vieille saloperie, quoi. Quoi, qui c'est qui m'a tiré dessus? Il est où? C'est qui le suicidaire? Ah, il y a peut-être moyen de faire un truc là. Oh merde. Ah bah il s'est tué. Bah d'accord. Utilité. On le voit. Non, c'est pas vrai. Là. Joyeux Noël. Raté. Et moi je t'ai pas raté par contre. Oh putain. Un copain. Mais pourquoi? Putain, donne-moi le fusil à pompe. Ah, mais j'ai le fusil d'assaut sur le 3 et le fusil de la pompe sur le 4. Attention, j'arrive. Ça me déstabilise. Merde, aïe, 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 qu'est-ce qui me fait mal? Quoi? Mais qu'est-ce que... Oh, j'ai envoyé une voiture. Attends, y'en a deux? Oh merde! Mais non, ça c'est une fausse bonne idée là, que j'ai eue là. Merde! Mais il crève pas, hein. La vache. Quand ils veulent pas mourir, ils veulent pas mourir, hein. Mon dieu. Attends, N. Utiliser des munitions qu'on peut utiliser. Il est à gauche. Non, pas vrai. Et je sais déjà ce que c'est un verrou à meuler, merci. Mais j'en ai plus. Voilà. Aïe, c'est quoi qui me tire? Oh!
Et merde. Voilà. Au rang que j'arrête de me servir de ces voitures, c'est beaucoup plus sympa en fait d'y aller avec le wingstick. Alors j'imagine que c'est par là. Tac. Je me souviens plus du tout de ce qu'on fout ici. Attendez, je vais juste relire la quête, je sais plus du tout quel est l'objectif. Je les ai entendu parler d'une raffinerie d'huile bleue, quelque chose en rapport avec des feltrites et de l'huile venant des pyros, c'était peut-être des propos incohérents, mais on va quand même vérifier. D'accord? Il faut découvrir ce que complotent les pyros. Eh bien, voyons ce que complotent les pyros. Peau de peinture. D'accord. J'imagine qu'il y a des trucs à oiseaux. Ah, ah oui, ils s'en fait plaisir. Et c'est par ici? Oui. Ah mais on grimpe tout en haut du truc quoi. C'est quoi ce bruit? Il est en bas. Attends mais je peux pas. Si. Ils savent que je suis là, je vais certainement pas monter. Ah bon. Ils sont débiles, n'importe qui se serait mis dans le coin en attendant que je puisse le tuer. Voilà. On va tout piquer. Un plan raffiné. Quelqu'un ? Cramez-le ! Cramez-le ! Ah merde ! Gardez sa tête en souvenir ! Ah ! Ce soir, c'est un fait d'enfoiré. On le voit. Je me rends. Ne brûlez pas encore. Le voilà. C'était pas moi. Merde, merde, merde. Ça sent le roussi pour lui. Mais non. On le voit. Alors, on va pouvoir tester qu'est-ce que c'est que les roquettes Viper. Si elles passent pas à côté, bien sûr. Totalement passé à côté. Voilà. Hop, on s'enfuit. Et voilà. Et on les laisse cramer tranquille. Nous, on se tire. Je sais pas du tout ce qu'on a pris. Et honnêtement, je m'en fous. C'était des mauvaises personnes, on ne s'occupe pas de leur avis. Tu peux sauter? Non, il veut pas. Ok, j'ai compris, on prend l'escalier. On peut jamais rien faire d'abusant dans ce jeu. Voilà, tac. On ressort par là. Ok, putain, on est revenu direct à l'entrée, vas-y, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez à Wellspring. Ah, il faut retourner à la ville, bah très bien. Là vous voyez, en fait j'aurais dû faire la quête quand on était ici en fait. Là, toi tu gonflais. Là.
Mais putain, ces lance-roquettes servent à rien. Non mais je l'ai eu en face de moi, comment j'ai pu le rater là? Là, oh. Le new. Putain, je me suis pris masse dégâts. Vous avez des informations sur les pyros, je connais quelqu'un au jackpot qui aura des infos. Le jackpot. C'est ça? Ah bah d'accord, oui, c'était vraiment une salle, d'accord, mais je pensais pas que c'est... Oula. Oula là. Oh! Ma copine! Allons, Sarah, si je savais quoi que ce soit sur les pyros, tu penses bien que je te l'aurais déjà dit. Clive, tu simplifies pas les choses. Dis-moi juste ce qu'il mijote. Je vois vraiment pas pourquoi tu persistes. Je veux dire, si je gardais des informations pour moi, tu crois que je risquerais... ça? Combien de boissons je peux servir d'une seule main, ou sur un pied, ou pire même? Allez, Sarah, arrête. Non, vous en faites pas pour Clive. On causera. C'était un pyro, mais il a pas tenu. Maintenant, il faut qu'il se cache ici pour éviter ses anciens potes. Bref, vous avez trouvé quoi à la raffinerie? On dirait qu'un train vous est passé dessus. Ouais. Ah, quoi? Pardon, excuse-moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fout Joséphine, ange gardien, ici? On est d'accord, c'est totalement elle, là. Putain. Oh, c'est magnifique, j'adore. Alors, Sarah, tu m'avais manqué, dis donc. Vulcain, c'est un vaisseau de guerre. Et l'huile bleue, du carburant. S'ils arrivent à faire voler ce truc, personne sera en sécurité, même à Wellspring.